Valeur, adieu. Africa French speaking community. Et ça pour aider battre tout la carte à Birmingham. Oh, y a papa Jacques. Et ça pour aider battre tout la carte à Birmingham. Et ça le problème, il y a bénéfique. Et ça le problème en Dak. Et ça le problème en Mukanda. Bah, pour aider you. Africa French speaking community. Et ça pour aider Binoma dans ma palais. Et ça pour aider Binoma comme y a bénéfique. Et ça pour aider Binoma comme Bilo Wanda. Les appareils de la Macamounia sont tous les Mikanda d'infraction au Bimba. Il y a un mot pour eux. Au point de Mukanda, pour une Afrique French speaking community. Au ya papa Jacques, na Birmingham. Au ya coup, au ya. Bon, là, n'a pas de la Facebook, na bango. UKS TV. N'a pas de Facebook, na bango. Bon, là, n'a pas de côté pour na. Pour Kota, pour Tuna, par Obeng, ça y est, bureau. Surtout, il y a ma cambo et Tali, administration et Mokoué. La Birmingham. D'ailleurs, adieu. Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, vous tous qui êtes branchés sur UKFC TV et sur notre chaîne. Sur notre page Facebook, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie davantage, surtout vous qui allez partager cette émission. Donc, c'est une émission qui parlera de la pauvreté énergétique, un projet qui est financé par Community Distribution Fund. Et aujourd'hui, nous allons focaliser notre attention sur comment réduire la consommation du gaz dans nos maisons. Vous savez très bien, comme je l'avais dit tantôt lors de la première émission, que les prix du gaz et du pétrole, les prix du gaz et de l'électricité, ces prix vont augmenter à partir du 1er avril 2022. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a encore cette invasion de la Russie à l'Ukraine. Ça va encore compliquer la distribution du gaz et de l'électricité dans plusieurs pays européens. Et les prix risquent d'aller au-delà de ce qui a été prévu. Si bien que nous venons avec des conseils pratiques sur comment chaque famille pourrait essayer de rationaliser, essayer de réduire la consommation et réduire les dépenses liées aux factures de l'électricité et du gaz. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons beaucoup plus nous attarder sur les gaz aujourd'hui, étant donné que lors de la précédente émission, on avait parlé de l'électricité. Je suis content de recevoir pour vous deux jeunes ingénieurs qui travaillent ici au Royaume-Uni. Il s'agit de l'ingénieur Mbo Kassai et de l'ingénieur Jures Massamba, chacun dans un domaine particulier, mais tous, ils ont une bonne connaissance des produits énergétiques. Vous les connaissez déjà puisqu'ils sont passés ici pour nous entretenir au sujet du réchauffement climatique et aujourd'hui, ils vont nous parler un peu du gaz. Cette émission aura deux parties. La première partie sera consacrée à expliquer d'où provient le gaz, comment il est exploité, comment il est transporté et comment les familles peuvent bien gérer, rationaliser, réduire les coûts de la consommation du gaz. Et dans la deuxième partie, on parlera de cet grand event, de ce grand rendez-vous de ce samedi 19 mars 2022 où nous allons recevoir, accueillir les jeunes et leur parler de la science dans le cadre de British Science Week. Sans plus tarder, je vais demander à mes
à mes deux invités. Comme vous pouvez le constater, nous sommes sur Zoom, donc nous ne sommes pas dans notre studio. À cela ne tienne, l'information passera puisque l'un est à Aberdeen, donc à Scotland, l'autre à Londres, moi je suis à Birmingham. Nous allons essayer de vous entretenir et donner de plus amples informations. Donc, je salue l'ingénieur Mbo Kassai. Bonsoir. L'ingénieur Kassai, tu es en mute, on ne sait pas t'entendre. Bonsoir, oui. Papa Jacques. Oui, bonsoir, ingénieur Jires. Oui, bonsoir, bonsoir, Papa Jacques. Bonsoir à tout le monde qui auront l'opportunité de nous regarder ce soir ou, je sais pas, sur Facebook, sur YouTube. Et nous allons essayer de répondre à vos questions. Et donc, nous sommes là pour vous. Merci pour l'opportunité, Papa Jacques. Nous sommes très contents d'être là. Mais toutefois, avant de commencer notre émission, Papa Jacques, si vous me permettez, c'est quand même le mois de mars, le mois des mamans. Et je ne saurais pas peut-être recommencer cette émission. Ça, toutefois, j'étais un petit clin d'œil. Et à nos chères mamans, hein, nos chères mamans, nos mamans africaines, nos mamans congolaises, hein, et vraiment, nous vous célébrons pendant ces mois de mars, en particulier maman Belinda Massamba, hein, la maman de l'ingénieur, son anniversaire arrive aussi, c'est une maman de mars, et pourquoi pas maman Eden, et donc nous vous célébrons tous les mamans du monde, vraiment, et bonne fête partout là où vous êtes. Merci. Oui, très gentil de ta part. Je pense aussi à mon épouse, à ma chamane épouse, maman Zizina Matensi. Donc, nous souhaitons de très bonnes célébrations à toutes les mamans. Et ici à Birmingham, nous annonçons déjà que le samedi 19 dans la soirée, il y aura un grand événement dans le cadre de la célébration du mois de la femme où il y aura des invités qui viendront pour parler, juste pour promouvoir la femme, pour diriger la femme vers de bonnes activités, des activités génératrices de revenus. Je pense aussi à toutes les femmes de notre promotion Mapendo, Mapendo donc des facultés catholiques de Kinshasa, présentement à l'Université catholique au Congo. Donc, nous vous aimons tous. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Bon, sans plus tarder, j'aimerais que l'ingénieur Mbo Kassai se présente brièvement, comme ça, vous tous qui nous suivez, vous pouvez comprendre qui il est. Soyez ingénieur, sentez-vous libre de parler lingala ou en français ou en anglais. Merci. Merci. Je m'appelle ingénieur Mbo Kassai. Mon background est en petroleum engineer, ça c'était mon first master's. Après, j'ai travaillé dans les compagnies pétrolières, j'ai fait là-bas deux ans dans le drilling et trois ans dans la production. Je voulais changer de carrière, je suis parti faire le second master's in mining engineer. Mining engineer m'a donné beaucoup de prospects de travailler dans les différentes activités, en particulier en RDC, qui est mon focus region. Merci. Et à toi, ingénieur Jules, si tu peux brièvement te présenter, s'il te plaît. Oui, merci, Papa Jacques. Merci à tout le monde. Et une fois de plus, merci pour l'opportunité. Donc, pour me présenter rapidement, et my background, comme on dit, mon background et en termes à ce qui concerne les outils. Donc, je suis ingénieur pétrolier, donc je fais le génie pétrolier, donc Petroleum Engineering, ici à UK. Je fais une master dans les drilling, donc le forage et construction des puits de pétrole. Dans ce qu'on appelle le drilling and well engineering. C'était mon premier master après avoir fini les études de petroleum engineering.
Et j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler ici, au Scotland, avec des compagnies telles que Total. Et là, je suis avec une autre compagnie, comment américain. Donc, j'étais à Weatherford, là, je suis avec Halliburton. Donc, on est en train d'évoluer. Et puis, comme les choses changent, on est en train de parler, on va parler aujourd'hui de l'énergie, tout ça, gaz, tout ça. Et donc là, je suis aussi en train de faire une autre master, ce qu'on appelle Energy Management. Donc, c'est la raison pour laquelle peut-être aussi vous nous avez invités ici pour essayer un peu de donner quelques points, des solutions par rapport à la pauvreté des gaz quoi, dans nos maisons. Oui, merci beaucoup. Comme les gens pourront le remarquer, ce sont des jeunes qui sont venus de la République démocratique du Congo, qui sont ici. Et la raison pour laquelle nous travaillons avec ces jeunes, c'est aussi pour créer un effet d'émulation pour toutes les familles. Comme ça, les parents sauront que non, en dehors de certaines études, les parents peuvent conseiller les enfants à faire la science, à faire l'ingénierie. Et cela pourra contribuer à leur bien-être plutôt que de les voir dans des petits boulots. Nous voulons que nos enfants aillent loin dans leurs études et pourquoi pas, quand ils retourneront au pays, qui soit aussi important puisque maintenant, on parle beaucoup plus de la science et de la technologie. Si vous voulez être respecté, vous devez investir dans la science et la technologie, ce qui est un peu rare chez nous. C'est pourquoi nous faisons la promotion de toutes ces études. Et sans plus tarder, comme j'avais dit, sentez-vous libre de parler dans n'importe quelle langue. Ingénieur Jurès, d'où viennent les gaz que nous utilisons dans nos maisons? Comment il est exploité? Comment il est transporté? Vous pouvez vous partager cette question. Et l'important, c'est que les familles, nos internautes, qui nous suivent maintenant, qu'ils comprennent. Voilà. Merci, Papa Jacques, pour la question. Je pense que, comme vous avez dit, nous allons essayer un peu de mélanger le français, de toutes les lingala, l'anglais, parce que c'est le gaz, c'est, you know, it's gas, you know, it's energy. So, from time to time, donc de temps en temps, peut-être on va essayer un peu de mixer avec l'anglais pour mieux expliquer. Donc voilà, d'où vient le gaz? C'est simple, je pense qu'on a fait quelques émissions ici et que nous avons essayé d'expliquer, hein, tout le cas qui a un peu expliqué, Bandeko, tout ça, et gaz et Utakawapi, tout ça. Et le gaz, d'abord, premièrement, c'est ce qu'on appelle le genre de l'énergie fossile, hein, de fossil fuel energy, fossil fuel based energy. Et ce qui, autoproduit à Kango, je peux dire, n'a pas place mi-balais. Ok? Donc, on trouve en haut, à Katia Mai, comme l'autobin en anglais, offshore, ou tu trouve en haut, na land, na ba réservoir, ou ils ont na offshore. Donc, c'est là où peut-être, brièvement, la place où tu trouves avec gaz. Tu trouves avec un réservoir où ils ont na maï, na offshore, soit na ba réservoir où ils ont fait na mokili, ou tu bengi, on a onshore. Maintenant, et production en haut pour salama, il faut faire les forages, et comme vous le savez. Donc, pour ça, là-bas, forage, tu bengi drilling, you have to drill, vous salez bas forage, et puis vous salez production, et comment y a ba gaz wana. Et donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour nous transporter en haut, donc pour nous transporter le gaz ou en amont, il faut qu'il y ait maintenant, soit dans mon kili, il y a une place où il y a une place à storage, et il y a un flux de pipeline, donc il y a un via de pipeline, où il y a un pipeline, ou soit il y a un peu de tank, donc ceux qui ont un amont, il y a un pipeline, ou soit il y a un tank. Donc, ce qui est dans la tank, après qui est dans la raffinerie, bah, ça y a un haut traitement, tout ça. Mais il y a un élément très important, il faut en mentionner, par rapport à la gaz, moussoussou, parce qu'il y a des différents types de gaz. Mais gaz, c'est aussi la canabandakou, et ça, le gaz, c'est le gaz méthane. Donc, ça, le gaz méthane,
peut-être moi point on a na côté que la ingénieur Kassai a comme un peu développer par rapport il y a bah différentes sortes de gaz et puis donc comment et transportation en ça la maca pour ikota et comment tina banda kuna biso. Donc voilà un peu en bref ndenge toko et toko ça la un peu moi sommaire wana moi ça me wana donc pas yo puis tu trouves ka gaz donc na bah réservoir où les a na mai te dingue offshore fait na mukili na onshore et puis transport nango et ça via ba pipeline to ba tank après et na ba raffinage ba traiter yango et puis net na ba midland na ba chaque county et ça na ba place oyo tout ça la ka ba stockage là donc ba stockage local et ça la maka pour ba avant bagage et ya comme la mission na bandako donc net na west midland centre ya stockage ya centre ya distribution donc ya stockage et puis ya distribution et ça la ka na na comment na Libanda côté Litchfield donc Libanda juste Libanda ya Birmingham côté ya Litchfield donc comment centre de distribution et la Rapuna c'est là où maintenant ma compagnie ya de distribution ya Mike et qui n'a pas joie pour nous distribuer biso ba gaz na banda donc voilà un peu comment na pour expliquer le kwana et pour ne pas aller trop comment na ba détail mususu oyo eko compliqué explication. Donc voilà, peut-être je vais le souci, ingénieur Kassai, il y a ajouté un mot à Kota Lisabiso, comment le gaz wana de provocant on a différents réservoirs, bah conventionnel, tout d'un coup conventionnel oil, conventionnel gaz, et puis Kota Lisabiso, moi bah élément tous par rapport à le gaz méthane, donc na côté créé à bah moi il balade ici. Merci. Au-delà il y a l'explication d'un groupe ça, est-ce que ingénieur Kassai, y a-t-il lieu de nous expliquer comment les gaz comment ça se forme et comment les gens savent qu'ici il y a du gaz, par exemple dans l'eau offshore ou dans la nature, dans la savane ou dans les forêts, comment on essaie d'en trouver et tu nous expliques aussi les différents gaz. Je pense qu'il doit y avoir un problème de connexion avec l'ingénieur Mbo Kassai, puisque son image ne semble pas bouger. Oui. Alors. Il est en train d'expliquer. Je peux entendre. Oui. Oui, ingénieur Kassai, moi je t'entends très bien. Je ne sais pas si Papa Jacques vous entend. Non, moi je ne l'entends pas. Je reste, tu peux poursuivre les différents gaz, comment les gaz se constituent. Comme ça, on va passer à une autre question, puisque je pense que l'ingénieur Mbo a connu des problèmes de connexion. OK. Brièvement, les gaz, comme malheureusement, l'ingénieur Kassa était en train de l'expliquer. Donc, les gaz se forment Si tu pourras répondre, puisque à un certain moment, il y avait un problème de connexion avec toi. On voulait savoir comment les gaz se forment et les différentes sortes de gaz. Oui, les gaz, c'est l'état physique des hydrocarbures. Les hydrocarbures ont quatre états physiques. Premier état, c'est en forme liquide. Ça peut être le kérosène. En forme solide, c'est comme le Canadian Oil Sand. Là, tu trouves les hydrocarbures comme un solide.
Vous pouvez trouver les hydrocarbures sous forme gazeuse, c'est comme la méthane, ça c'est natural gas ou cooking gas. Alors, à cet état, les réservoirs, il y a deux types de réservoirs, les conventional réservoirs, c'est petroleum based réservoirs. Les gaz, parce que leur viscosité et leur densité sont très en bas, on trouve les gaz dans la poche qui est au-dessus dans les réservoirs, parce que c'est volatile. Et tu peux trouver aussi les gaz mélangés avec les liquides. Bon, en ce qui concerne les transports de gaz, ça commence déjà à partir des réservoirs, car les réservoirs, c'est un milieu dynamique. Dans les réservoirs, les gaz peuvent se déplacer sur cette forme qu'on appelle drainage ou aquifère. Les aquifères, ce sont les sources d'eau qui peuvent changer la pression et propulser les gaz sur la surface. On appelle ça recovery method. Ça peut être sur la compression et les changements de pression. Il y a secondary recovery, là où vous pouvez injecter de l'eau et de l'eau peut créer une pression élevée et ça pousse les gaz vers la surface. Ça, c'est première station, comment les gaz sont en train de se déplacer. Lorsque les gaz partent du réservoir à la surface, nous avons besoin de pompes. On appelle ça drilling activity. Et ingénieur Jurès connaît bien sur ça. Nous avons besoin de drill et de faire des perforations. Dans ces perforations, on aura besoin de pompes. Les pompes qui vont permettre les gaz de partir à partir du réservoir pour la surface. Ça, c'est deuxième station. Ces pompes sont constituées de valves, de piping system and de tubing system, and de BOP, c'est blow up prevention system. Des réservoirs à la surface, de la surface au storage. De surface au storage, on a besoin de piping pour mettre ça dans les tanks. Comme ingénieur Jurès avait bien mentionné, il y a les tanks qui sont comme les bateaux, ship. Ça, c'est dans les offshore et dans les onshore, il y a seulement les storage qui sont là, qui sont comme dans, sous forme de citernes, là où on peut stocker les gaz. Alors, parce que les gaz sont voluminés et prennent un grand espace, nous devons mélanger ces gaz avec les inertes gaz, comme les nitrogènes, pour compresser ces gaz pour que ça devienne à l'état liquide. Pour transformer une grande quantité de gaz, nous devons les compresser à l'état liquide. Donc, nous sommes quittés à la troisième station, nous quittons de port jusqu'aux raffineries parce que les gaz doivent être traités. À ce point, les infrastructures pour transporter les gaz sont les bateaux ou bien les trains ou bien les tankers, les conteneurs, l'avion, le piping system, pipeline system. Les pipeline systems vont dépendre de l'environnement. Si les terrains sont montagneux, et c'est dans la chaleur comme dans les zones, dans les déserts, nous ne devons pas insuler les pipeline systems. Pourquoi? Parce que les gaz peuvent s'enflammer. Alors, c'est très important de prêter attention à la région dans laquelle le gaz est en train de traverser. Lorsque vous êtes en train de traverser des zones qui sont tellement froids, l'insulation doit être hermétique et vous allez chauffer un peu les gaz pour que la condensation ne se passe pas dans les tanks. Parce que si ça se condense beaucoup, les tanks peuvent s'exploser parce qu'il y a un changement de pression. Là, nous sommes quittés des stations aux raffineries. Après avoir les gaz arrivent aux raffineries, il y a les traitements des gaz. Alors, les gaz doivent quitter des raffineries pour arriver aux stations de pompe ou bien au national grid. Là, on a encore d'autres différents types d'infrastructures comme les camions citernes, les pipelines, les pipeline systems, l'aviation ou bien les bateaux, la navigation. Quand ça arrive dans les stations, petrol stations, là, nous pouvons se placer dans les cars ou ça peut être viré vers les maisons. Et lorsque ça arrive dans les maisons, on aura besoin de piping, de valves et d'autres infrastructures. Donc, pour chaque station, il y a chaque différentes sortes d'infrastructures de transport pour les gaz. C'est à ce point que je veux un peu me limiter. Merci.
Papa Jacques, vous êtes sur mute. Je m'excuse. Oui, j'ai dit que toutes ces explications, c'est une façon d'éveiller la conscience des jeunes, de comprendre ce que c'est, d'où vient les gaz et comment les gaz est transporté jusque dans nos maisons. Maintenant, nous allons passer à cette étape où nous sommes dans nos maisons et aussi, puisque nous connaissons que les prix de ces produits vont augmenter, nous sommes là juste pour donner des conseils comment éviter la pauvreté énergétique. Et comme je l'avais expliqué dans l'émission précédente, dans ma première émission, nous avions dit que toute famille qui est en difficulté, par exemple, vous avez le meter reading et que vous êtes sur le point d'avoir zéro pounds dans votre meter reading. Et vous pouvez toujours vous dépêcher chez nous et nous serons en mesure de pouvoir vous aider à vous recommandant à d'autres organisations qui peuvent aider. Mais nous ne voulons pas, puisqu'on dit mieux vaut prévenir que guérir. On peut bien aider en cas d'urgence et pour ceux qui le méritent, pas n'importe qui. Mais mieux vaut prévenir que guérir. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce genre d'émission pour que nous soyons avisés, nous soyons avertis pour que nous soyons en mesure de réduire la consommation et avoir un peu d'argent pour la nourriture et puis pour d'autres choses. Ingénieur Jurès, y a-t-il lieu de donner des conseils pratiques, même 5 ou 6 conseils, comment réduire la consommation du gaz, puisque les prix vont augmenter? Comme ça, tout le monde sait en quoi s'attenir. Merci. Ok, merci Papa Jacques pour la question, Anna. Je pense que c'est une question très, très importante parce que, comme vous avez mentionné, le prix des gaz est au matin. Il y a beaucoup de choses où ils ont ça la quête. Augmentation, il y a pris on a et lié dans donc et c'est passé de manière voilà. Donc alors pour aller vraiment droit au but par rapport à la question on a coupé ça quand même Bandeko et moi quelques conseils, quelques techniques et au Kusunga pour parler de comment conserve énergie, conserve gaz na kata bandaku et donc ils a direct ils en a pas manqué nous sous habitude nous sous fermiquer miquer tout ça là dans nos maisons des fois tu es barré que toujours perdre énergie toujours perdre gaz toujours perdre je sais pas donc énergie en forme dans mon milieu c'est à la courant et à la gaz donc maintenant en termes il y a gaz et il y a d'abord et l'eau comme n'est pas tant là qu'on a bien sûr représenté gaz ou soit des consommations à gaz, maka c'est à bilo comme il balaye, maka soit la boila pour nous chauffer maï et puis pour nous chauffer bah radiateur quoi donc heating system. Alors there's one very important thing donc le comment est très important na kata banda pour nous biso il faut tourner kaka un peu pour ça la yango de temps en temps et le quoi liboso soit première recommandation ya pour ça là pour nous combattre la gaz na kata banda ku Eza ya ko comment ko tika ka boiler na yo na stand by te. Donc boiler na yo il faut ezala on so ki seulement eza nécessaire ezala on donc par exemple ceux qui bolingi bo sukola par exemple na tongo quand vous vous réveillez parce que na fongola mo parenthèse mo ko vite fait papa Jacques. Na ndenge en termes ya auto benga ka energy management. En termes ya auto benga ka energy management. Ils en a ba air ou les alakanet si auto benga quand même en terme même ya transport public ni que tout temps bola kana banzela auto benga ka ba rush hour donc ba air de pointe donc en terme ya énergie management pe ba ezaka pe na ba air de pointe na ndenge ya énergie na ndenge ya consommation ya énergie donc je vais vous allez remarquer que net na tongo air tout l'amuka kana tongo in the morning tout l'amuki ba tunyon ce soir tes akabana ba bazoke ndé classe soit ma papa ma maman qui est débile ça là donc ça veut dire que consommation d'énergie na air wana d'accord nicolo parce que
et mon pignon soit avec le cas à la breakfast, alors je fais quelque chose, mais la tea, mais la café, ainsi de suite. Si tu commis 10h ou 11h, consommation, 10h plutôt, consommation, partant 9h30, consommation équitable. Si 12h, 13h, on est à l'heure à lunch, tu vas le cas à côté de moi et loco. Et puis, équitable, les sous dans les après-midi, et puis, pourquoi, partant 17h, qu'est-ce qui se passe? Oye bisabiso que ce qui par exemple mutoza libre et que a lingi à lamba c'est mieux à lamba par exemple à partir à 9h30 au moni puisque place wana énergie est un peu coup et zaba de soit lambi entre 9h30 na midi à ko save tout comme à lambi bilogone entre 14h na 16h wana pa ko save c'est ça donc bon. Wanape eza mokope yaba solution oyoko sala. Ce que j'en andako. Mais pour na fait ce bateau yoba sala ka, eza difficile ou préparer na ba air wana parce que ou kuzala na msala. Ya kuzala na msala. Mais maintenant wana na zaki ko expliquer mingi par rapport ya energy management. Ya mo mona même na mboka oyo ba air wana eza la kana ou to bengaka et na ba Congo peut-être to benga ngo ba cabine courant, je ne sais pas moi. Mais awa ezana ba haut benga ba grid donc ba grid comme ba ya énergie ya gaz ou eza ya réserve pona ba air wana consommation air kendaka likolo ba ko alimé et comment ba générateur wana po epesa mon énergie epesa mon électricité ou epesa mon gaz po air wana ba dikeba ba losala yango mi donc yango moni. Et l'eau qu'on a même dans la ville de Congo, au moins à air courir qui n'a pas mis une fois une basket, tout ça la capacité ou en a été. Il y a un état de la générateur ou en a, la grid ou en a, il y a réserve, ou il y a un air bien sûr n'a pas connecté. Soit net le week-end, air tout à la mini bataille à la football, la macamba, le lingue ou en a, et recommande qu'on a break time, soit na half time, la tenue sur la kendaka, la salle à moi capoti, quick something quickly. Air wa mona ke air match bandi net ba match amine ne pona otanga ba équipe te air wa na batnyo so baza connecté na télé donc consommation est amke mais la break time na half time ba ke connecté ba biloko consommation ba la mo climatique kaka na moins 15 minutes wana na en terme ya energy management na donc na bamboka auto vandi donc ça veut dire que département ya énergie et pays ça j'ai donc et puis ça grid mobimba pona ko et quoi simé charge wana nyoso ya mona point ko kendete mais na ba moka na biso ya moto sal to za ka ba copier ba énergie ba moma bon moma la bozota la match par exemple et comme na mi temps boy pour courir kei ba boleli a de courir kende ngini donc c'est ce que j'allais expliquer en termes d'énergie management maintenant ce que zongi ya biso étant que ba petit peuple na kata bandako parce que nyoso wana za énergie management donc même na kata bandako na biso. Et l'autre côté, c'est comment manager l'énergie dans le cadre d'Andako. Donc, pour les électricité, les gaz, les énergie. Donc, comment pour ça, le management, il y a l'énergie dans le cadre d'Andako. Pour l'Andako, il y a un boiler. Parce que le boiler, il y a un moment où il y a la majorité de gaz dans le cadre d'Andako. Pour le chauffer, maï, pour le chauffer, et comment, et d'Andako. Donc, Pélissa boiler, il y a un boiler qui est là. Donc, ceux qui vont lingi bosukula, par exemple, c'est là, peut-être que vous en avez sa boy là, et dans la honte. Et consommez moi gaz mouke, bosukula, bosali ma kampo, bosala, boten en moi off. Et que servio, même en termes d'argent, et que servio mbongo. Et deuxièmement, petit kalika quand même na boy là. Ceux qui ont la boy là, y'a kala. Vous en avez de bengi ba boy là, y'a kala. C'est mieux que le cas moyen. Ceux qui ont un dacou, je ne sais pas, il y a un cancel. Soit que le cas cancel, que le cas n'est pas pour changer le boy la yassika. Parce que déjà, il y a un dacou, il y a un new build house, il y a un dacou yassika.
en tout cas ba boy la oyo eza ya nini ya ba kalawana eza li susute ba zolinga mena kocha ba smart boiler ba zolinga kocha ba smart boiler. Je pense même à partir de 2025 même le gouvernement en termes ya autre zobenga et comment et décarbonisation ya comment ya énergie gouvernement a déjà même funding à kobanda kopé ça ba famille $5,000 comment pas les dollars plutôt les pounds les livres sterling na chaque famille oyo baza na boila ya kala pona ko changer ba boila ya oyo ya sika ba boila oyo kozala et ya ba gaz oyo ezo emit ba carbone et tout ça donc la émission lelo eza pona nini wana tena wana eza eloko oyo même gouvernement azo sunga batu ndenge nini ba ko self ba énergie na bango na ndako. Deuxièmement, donc c'est-à-dire ceux qui vous salent gaz, vous salent les vous salissent vos kangi. Aussi qu'à boila yana yote air au bimio kei, ote chauffage zaya kokanga, koma ya kokanga, mais aussi qui boila on, ils ont consommé. Deuxièmement, et l'autre ami balait de colo, ils ont ba haute benga ba thermostat. Ceux qui ont la boila ou la thermostat, ils ont vraiment malam mingi. Pourquoi tu le dis bongo? Parce que oko régler un mot air nini au lingi. Boila na yo et ça là ernini lingi boila e gangama par exemple na tongo ndenge na lobaki na tongo to la mukaka parta ba 7h toujours bon en prendre le soir toujours bon ça va na classe peut-être au cheka ka na tongo et ça là pendant 2h du temps après au tena ngo off na pourquoi air bozo ngaka et au 7 ans donc au régler yango déjà de la manière que air wana yango moko et ko fungwama et chauffer après et kangi donc c'est aussi une manière yako ya ko serve aussi gaz. Donc peut-être ko lukape et conseil mususu. Soit ko za na ndenge na lobaki bo za na boila ya kala, soit bo fela ka ba kinites. Ande to ba banda ko mususu to fela ka ba ko top up ba pay as you go. Parce que wana ya ko top up. Prepaid. Je pense que pardon? Non, prepaid prepayment, donc prepaid meter. Ouais. Ah non, payez go payez vite, voilà. Donc ce que c'est là, bah qui wana et ils ont ma bête pour l'économie peut-être. Yomoko omeka un peu ko ta la négozo manager en gros. Mais je peux peut-être penser que kozala na sma mita mandaku ils ont meilleur que kozala na bah prix bah prépayé wana. Parce que avec les smart mita, l'ango ils ont fait ça auto benga kan anglais bah updated. Information and the way ozo consommer énergie na yo na energy supply na yo avec les clés yango na banda ko sumo na oche moi gaz na yo ya 5 livres ya 10 livres mais après quelques je sais pas deux jours ah mais ndeni gaz ango esili mbangu boy donc je ne suis pas là pour dire que ah peut-être bazo yi ba yo gaz non je ne dis pas ça. Mais je dis seulement que vous avez un smart meter et la better option pour na et vous pouvez avoir information au yo et donc yo mon copain au moment la consommation na yo au traquer même consommation na yo par jour vous consommez combien et puis peut-être si y a mauvais bah petit au coup le candidat ni cochon donc parce que les smart meter aussi na ça y a na yo chaque de temps en temps bandoti na yo bah review. Et puis, bah, je vous conseille, ah, au moins, toujours, bon, ça, qui, bon, ah, ça, bon, pour au sel. Sauf, ça, il bon, pour consommer moins. Donc, bah, pour banda, pour faire, par rapport à la consommation, n'a yon, n'a yon, n'a yon, n'a yon, smart meter, ou supply, n'a yon, bah, pour faire, ça, yon, bah, suggestion, comment est-ce que, on peut utiliser énergie, n'a yon, n'a yon, n'a yon, n'a yon, n'a yon, n'a merci, Mengi. Merci Mengi. Avant de passer chez l'ingénieur Mbokassai, nous allons prendre un petit temps pour souffler et profiter de ces moments pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'un des nôtres qui est vraiment un grand fan, supporter de African French Speaking Community Support Charity, Willy Duff.
Merci beaucoup, joyeux anniversaire. Et puis, nous profitons de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances à la famille de notre bien-aimée Francine Mawete à l'occasion de la disparition, de la mort de papa Adolphe Mawete. Donc, nous sommes de cœur, tous les enfants de tous. Merci beaucoup, joyeux anniversaire. Et puis, nous profitons de. Tous les Mapendo sont derrière vous pour consoler la famille. Donc, nous repartons encore sur les conseils pour comment diminuer ou gérer la consommation de l'énergie. Je demande à l'ingénieur Mbokassai, quels sont les facteurs, pourquoi les prix doivent augmenter à partir du mois d'avril, comme cela a été annoncé par le gouvernement. Et quels sont d'autres conseils que tu peux prodiguer aux familles pour réduire la consommation? Merci. Ingénieur Mbo, à mute. Merci beaucoup, Papa Jacques. Pour répondre à la question, quels sont les facteurs qui vont pousser à l'augmentation ou accumulation des prix en avril? Nous devons d'abord savoir la quantité de gaz naturel, de réserves de gaz naturel dans l'échelle globale. Dans l'échelle globale, on reste avec plus ou moins 211 trillions de mètres cubiques de gaz naturel. Et là, nous sommes en train de rebondir entre la demande versus la production. Et dans ces 221 trillions de mètres cubes, la Russie, l'Iran et le Qatar en produisent la moitié de ces gaz. Et cela va jouer plus ou moins dans les enjeux que le prix vont sursauter au mois d'avril. Parce que tout ça a été déjà prêt. Les prix augmentent lorsque fait effort de forecasting. Ça n'augmente pas seulement du jour au lendemain. Donc, cette forecasting est basée plus ou moins à la production annuelle qui s'est passée l'année passée. Aux géopolitiques, ce sont les facteurs qui affectent ça, et aussi à l'entrée et à la demande de l'OPEC, parce que c'est l'OPEC qui régularise ces prix. Alors, ces trois facteurs, ça gouverne les prix, l'augmentation des prix. En cela, nous avons vu comme la Russie, l'Iran et le Qatar qui en produisent la moitié. Donc, au niveau de l'OPEC, quand on parle de gaz naturel, ils ont un mot qui pèse beaucoup. Et ce sont des pays qui ont une tendance un peu difficile avec l'Europe, Mainland Europe, si on peut dire ça. Les prix vont augmenter, c'est parce que dû aux géopolitiques. La Russie supply a lot of natural gas to Germany, UK, France, Italie, and Switzerland, you name it, Finland, Austria, you name it. So it's important because there's that challenge between both, ce sont des puissances, et il y a cette friction entre eux. C'est pour cela que je ne sais pas toutes les données, pourquoi il y a des frictions de géopolitique, mais ce qu'on sait, ces géopolitiques a induit et va induire à l'augmentation des prix. Car il y a les quotas que la Russie doit supply à each country. Et based on those quotas, il y a les tarifs de montant qu'ils doivent payer. Et ça joue beaucoup. Et le fait aussi que ces pétroles ou ces gaz doivent circuler dans les pipelines, et ces pipelines doivent payer des taxes territoriales, doivent entrer dans les zones qui sont différentes, les prix de gaz augmentent. Pour chaque territoire, ça a ses taxes. Alors, imaginez comme l'Angleterre a pris le Brexit et il devait avoir un quota bien limité de gaz naturel. Ces quotas, si les pipelines étaient supply through le mainland Europe, les taxes de ces pipelines vont augmenter. Et les prix ici
va devenir à la hausse. Oh. Alors, pour nous, en avril, on va beaucoup souffrir based on this. But this is not just the only factors. There's other factors as well. Parce que l'Angleterre et d'autres pays européens partent avec la vision du green. Everything has to be green and they should depend less from the fossil fuel. Et les gaz naturels sont des fossil fuel. Ils sont en train de promouvoir other alternatives. C'est là que je reviens, comment nous pouvons gérer les coûts de gaz naturel, la consommation de gaz naturel à la maison. Lorsque nous parlons de la consommation, nous avons vu la production et les difficultés qui viennent avec la production. Maintenant, nous devons voir aussi la demande. Pour la demande de gaz naturel, ça va dépendre à la capacité de la maison. See, if you live in one bedroom apartment, it will be different. If you are living in a bigger house, it will be different. How many people are living in those accommodations? It will be totally different. Deuxième point, what are the electrical appliances that you use? If it's heavy machinery, that will push the price even upper, right? To reduce that, beaucoup de gaz naturels sont utilisés dans le chauffage et dans le cooking. Et 15%, c'est dans l'électricité. Parce que dans le système anglais, il y a toujours un système comme bicaméral de l'énergie. Ça veut dire que vous utilisez l'électricité et le gaz. Ouais. As already an alternative. C'était quelque chose qui savait. Si toutes les maisons ne dépendaient que d'un single system of energy, it would be costly. C'est pour cela qu'ils avaient fait déjà les deux systèmes. Donc, dans ces deux systèmes, il y a déjà une alternative. Alors, dans nos maisons, nous devons chercher la troisième alternative. Pour réduire le chauffage, nous devons insuler our home. Il faut insuler the home. Les maisons doivent être properly insulées. L'isolant doit être là. Si ce sont des vieilles maisons, il faut essayer d'améliorer les fabriques qui peuvent contenir more heat during winter. And that will allow the heat to escape during summer because we have four seasons, right? Smart insulation is important. It will be costing, but in long term, ça va beaucoup payer. Deuxième point, pour réduire les prix, il faut essayer d'utiliser les géothermaux. Les géothermaux, c'est simplement, vous avez vos bols, hein? Les bols à pompe de l'eau chaude, et lorsque ça part dans les tubes, ça perd déjà la chaleur. Il faut permettre que ces tubes partent underground, parce que le souterrain a une température average, even during winter, of above 30 degrees Celsius. Donc, le souterrain déjà provide enough heat. Donc, votre bol ne va pas beaucoup consommer. L'eau froide sera déjà dans le souterrain. Ça va gagner à 30 degrés Celsius. Lorsque vous poussez cette eau froide qui est dans le souterrain vers le bol ne va pas consommer beaucoup de gaz. Il va seulement heat pour 5 minutes. Et ça va gagner, l'eau va gagner to the latent energy. That latent energy is heat transformed into liquid. Comme ça, vous allez pousser cette latent energy to the radiator and to, sans toutefois consommer une grande portion de votre gaz. Parce qu'à ce point, le gaz ne va plus prendre de l'eau à partir de 0 degrés Celsius. Il est en train de bouillir de l'eau à partir de 30 degrés. Pour arriver à un certain degré, ça ne va pas beaucoup lui prendre de temps. Et during summer, think about, le souterrain peut gagner 70 degrés Celsius. Donc, vous pouvez utiliser les gaz et les gaz doivent seulement compléter cette différence de température. Donc, nous avons vu l'autre alternative, comment vous pouvez bénéficier de ça. Et bien sûr, tout ce que l'ingénieur Jurès a dit, ça devient à la discipline. Il faut éteindre certains devices, and that is really important. Another thing que l'ingénieur est en train de mentionner, de l'énergie management. Il faut que nous cultivons cette discipline de savoir
combien de gaz, de kilomètres watts de gaz que nous avons utilisé. Par exemple, le matin, ça représente quoi? 10 kilomètres watts. Connaître ces unités pour que le lendemain, nous pouvons partir de 10 kilomètres watts à 5 kilomètres watts. Comme ça, nous sommes en train de savoir comment diminuer ça. Sinon, si nous n'avons pas la pratique de collecter ces informations et de savoir que nous sommes en train de gérer cette énergie, nous ne saurons pas how to do better. C'est un peu ça, avec tout ce que l'ingénieur Giresse a mentionné, que je voudrais stopper à ce point. Merci. Oui, vraiment, ce sont des conseils très, très pratiques quand vous parlez de l'insulation. Et nous voulons dire aux familles, si vous êtes en difficulté, veuillez toujours nous contacter puisque nous savons comment vous orienter pour résoudre vos problèmes. Nous sommes lentement en train d'atterrir, d'aller vers la fin de notre émission, mais il y a un grand événement ce samedi 19 et nous avons fait circuler le leaflet. Ça aura lieu ici à Birmingham dans le cadre de British Science Week. Ça sera à Windmill Center. Les leaflets est là. Nous invitons les parents d'amener les enfants âgés de 7 à 18 ans ou plus de 18 ans. Il y aura des bonnes opportunités et vous voyez les deux jeunes qui viendront de loin avec leurs amis. Au total, seront 5 ou 7 pour venir s'entretenir avec les jeunes de Birmingham. Donc, nous conseillons aux parents d'amener leurs enfants et j'aimerais que l'ingénieur Giresse puisse nous expliquer qu'est-ce qui va se passer au juste. Oui, merci Papa Jacques pour l'opportunité de nous avoir ce soir et puis tout le monde qui est en train de nous suivre à ce moment précis et peut-être bah au Québec aujourd'hui, les Bakou à côté la Bisso plus tard quoi. Mais vraiment c'est nous lançons un appel vraiment toujours Benissa et papa na ba maman Nyonso et au Bakou vraiment les Bakou à Colanda émission au Yo soit qui a comment on a les flèches au Yo et vraiment bon hésitez kuyana kuya pour participer à l'événement au Yo soit kuyana balayi soit kotinda bango et bah y a pour participer na événement Oyo na event Oyo toujours ça la tobengi workshop y a British Science Week et qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que British Science Week est animé et ça semaine Oyo na mboka auto vandi ya UK donc chaque année entre les 11 mars au 20 donc du 11 au 20 mars y a et ça semaine Oyo va bengaka British Science Week dans un beaucoup de bandits donc semaine au et la semaine il y a science week moi sur le col là et équipe au ya jeunes ingénieurs congolais au de tangina bamboka oyo et puis toujours ça la paix comment na mboka oyo na monde mbuya mayele oyo to yoko na bandela que la cité monde mbuya expérience oyo toujours wa na dela misala et on toujours linga peto me ka ko passer en pas balé qui na biso to me ka ko passer en pas balé qui na biso. Et ils ont vraiment opportunité mon corps balayer qui n'a pas su barre attaquer mon côté ma papa na ma maman et je pense que Sengeli tout n'est qu'à un peu qu'au banda qu'au inspiré balayer qui n'a pas su dès le bas âge donc au boyana bango samedi oyo adresse les aliwana cimétique donc de 12h à 16h boyana on va participer na ba différentes activités oyo tout ça là na mkoloana. Nous avons l'activité, nous avons en partage les fêtes, nous avons l'activité, nous avons l'activité, nous science. Donc, nous avons la pratique, il y a comment, il y a microscope, et nous avons la cellule. L'activité, en fait, l'ingénieur Kassai Moutou a dirigé, nous avons l'activité, nous avons expliqué Mingi. Donc, nous avons expliqué, l'activité, nous avons l'activité, énergie renouvelable, énergie, et comment, énergie propre. Donc on va monter tout ce qu'on a panneau solaire tout ce et comment bah windmill donc bah windmill ou wind turbine donc on a bah énergie renouvelable bah énergie propre bah activité que ça la dengue et belé tout on a bah équipe il y a biso bah ingénieur au total il m'a comme énergie et puis donc voilà pétrole tout ça là bah activité il y a le lingue on a il y a science il y a le lingue on a il y a énergie tout on a ingénieur civil
que bah pour ça la activité à science et à engineering, donc il y a ingénierie dans le sens là tout ça là bah ingénieur il y a bah software hein, donc bah software tout ça là bah découpé il y a bah ingénieur ou fait bah tout c'est basé mine la science et à médecine, donc bah pour ça là on a bah pour expliquer ma cambo de l'é bah découvrement vous engagez ce qui moi l'iloba ya souka ezali et na souka papa Jacques pourquoi pour des bisous bon tout n'est qu'un peu combattu ça pour que na za la mulai mingité na ti que la ingénieur Kassai a expliqué aussi quelques activités au lieu à cause à la en charge même na mukolowana et donc on a et comment ko la ki ça ya mou vraiment très important ba papa na ba maman donc biso to ko uta musika toujours pour ça la ngo gratuitement juste pour na ko transférer connaissance na expérience ko ndenge to ba kanange ko inspire à balé ki na biso. Et c'est pas que nous voulons pas que bah tout soit à la bah ingénieur tout bah scientifique tout bah technologie comment je passe à la bah science à technologie mais n'engue mon kilézo évoluer n'engue mon kilézo kende je pense que bah dans la biso les a malam ou qu'on a pu inspirer bah le basage en tout cas voilà le truc que je peux conclure parce que nous autres aussi peut-être expérience ou on a des choses bah chance ou on a et dans la communauté au place au Vandy dans la Birmingham dans la Londres place au Colis qui est toujours qui est la cour dans le collège ils en a l'isanga moko boya bayaya batanga ma ingénierie ça ma ma technologie place au coq qui ne peut pas s'inspirer que tout n'attend moi bati bami tout nami balé misa tout comment classe en haut ingénierie dans la tendance ni couronne et technologie pour ça la pour la tendance ni mais nous sommes là et toujours fait ça la communauté na biso c'est un dixième hein en termes ya au biso tout tangi en termes ya expérience toujours voir toujours pas besoin de ça dans la communauté alors comment ma papa non maman bon hésitez boya tout inspiré balé qui n'a pas besoin de ma cambamayele merci beaucoup oui ingénieur Kassai ingénieur Mbo Kassai si tu peux ajouter quelque chose je pense que vous êtes mute papa Jacques. Tu es en mute. Je pense que vous êtes mute. Non. Enchkasa, if you can hear me, go on. Do you have anything to add in terms of the activity that we're going to be doing on Saturday? Yes. Thank you very much. Merci à tous. Je pense que ingénieur, je reste. You can't listen. I don't know what is going wrong. Je vais simplement vous inviter de venir participer à cet événement. Comme vous avez vu, Science Week, ça fait partie des cultures de ces pays. Batali na projection dans chaque 10 ans, ba monique science ezana place moko ya mutuya na communauté na bango. Et puis na ba communauté ya mutunyo so a se peli s'intégrer. Ces pays se construit grâce à des recherches scientifiques. Même le business, c'est très important. Alors, cette préparation commence avec cette génération et la génération qui vient après nous. Yangwana biso ba ingénieur congolais tozu initiative koya na Birmingham pour na sensibiliser communauté na biso ba activité que za la mingi ya science donc dans les domaines et ingénierie et dans les domaines molecular science, dans les domaines de construction, dans les domaines de civil engineer, donc dans tous les aspects de la science. Science, c'est une branche dynamique. Yangwana est très important pour participer à un workshop. Parce que tu dois faire ça, tu dois apply, tu dois observer, tu dois analyser pour échanger le comment qu'on a eu. C'est très important. Yangwana est toujours ça dans un workshop. Dans le workshop, il y a une activité ingénieur, je reste à mentionner. Il y a un laboratoire, un workshop, où il y a encouragé à travailler la différence entre les plantes cells et les animaux cells. Pour que après avoir observation au macroscope, tu peux partir faire molecular biology, ce qui peut aider dans le traitement des cancers. Ce qui peut aider dans la production des smart farming pour dans les différentes choses, dans la médecine et dans la médecine engineering.
Donc, ça la peine à expérience ou utiliser le geopolyma. Le geopolyma est allé élément moko est allé tissima, mais besoin utiliser tissima. Sima est au même pollution. Biso te ligne te longo la pollution. Te sont encourager les jeunes communautés bakanisa. How we can design a sustainable environment without pollutions. Et ça, l'activité, Nyoso, qui sera là pour vous guider, pour vous inspirer, pour vous encourager de venir joindre ces grands corps des ingénieurs. Tout ce que je peux vous dire, nous serons là présents, engagés, et nous serons là bras ouverts pour vous guider et pour vous welcome. Please do not hesitate to contact us for more information. And we will be well to go salavo mane sengo koyamba bilo dioso. Merci to monana. Oui, avant de terminer, je vais encore donner la parole à l'ingénieur Jurès, juste en une minute, de donner une petite conclusion, comme ça on finit l'émission. Ok, merci papa Jacques, rapidement. Et donc, et lobby biso tokoya mais biso banani peut expliquer juste vraiment donc biso tozoloba étant que ingénieur jeune ingénieur colé et donc biso wana tozali lisanga ya ingénieur autobengi UK Sena donc UK Congolese Engineering Network Association donc nde lisanga wana ya onde biso tokozala wana pona ku tambulisa workshop oyo activité nyoso oyo tokosala na comment na ya samedi le 19 mars à partir à 12h na cimétique adresse ezali wana na Miflet. Maintenant pourquoi juste pour expliquer vite fait pourquoi cette organisation ou cette plateforme a été créée ce juste na ba bit mi balé très simple na kozala vraiment mukuse mi bitali bo remarque oyo ça au tout ça qui est kenda qui na ba université na ba mboka oyo tu te retrouves dans un auditoire à université oza les seuls étudiants congolais oza les seuls jeunes congolais oza tanga au milieu ya bande ko belé donc pe na ba place à misala la même chose mais nous sommes dit na bande ko mi balé misala auto yebaki peut-être gens qui kenda na ba université nous sommes dit ça non comme kanal ko sala eloko moko oyo to ko inspirer balé qui na biso belé bazo botama et bazo kola na bamboka oyo to inspirer bango peut-être ça peut manquer information hein et ça peut manquer information na ba communauté na biso peut-être balé qui wana baza pe na place ya kokende ko s'inspirer te na muto peut-être akokaye na muto peut-être ye a mona kapé boye a vie na nga moko boye hein donc là je parle vraiment des communautés na biso donc c'est la raison pour laquelle nous avons créé nous avons pris l'initiative ya ko créer comment plateforme oyo et pour nous inspirer balé qui n'a pas besoin de inspirer bango na makambuni toujours inspirer bango na makambuni toujours inspirer bango na makambuloko là et pour expliquer bango d'abord hein j'avais dit une chose na bémission mon collègue qui a papa Jacques si par exemple mutu qui combo ya petroleum engineering ne comment quoi tout n'engaye alors bah petroleum engineering bien on a petroleum engineering au sol à canine sol à kaba vaseline ou comment parce que dans la box là de vaseline bah comment ça pétrolium donc aujourd'hui on a quel moyen on s'est calé ça c'est parce que Ndeko a un manque d'information or que pétrolium est ça sans une ingénierie ça là dans ma cambo énergie bah production à venir à gaz mais là maintenant si peut-être moi à qui tu coûte mon colo à tenir que je suis à bongo maintenant combien de fois bah les qui n'abusent pas dans la manque d'information ou ça bah papa na bah maman peut ou bah cause on a besoin moi on a eu attend ingénierie attend beaucoup de technologie attend beaucoup moko ya science donc voilà tout inspiré bango na makambo na kosunga bango na ba application na bango ya université à partir déjà ya collège et ça bango makambo beaucoup tanga pour ça la cour ya ingénierie boyo ça la cour ya technologie boyo pour ça la cour ya science boyo tout osunga bango pe na ba technique ya ba interview ya misala tout bengi ba graduate scheme assessment parce que au cause la degree même first class aujourd'hui ma point de distinction mais si tu ne passes pas ma test wana papa Jacques je vous dis que et c'est compliqué donc alors biso toujours expérience wana to sali ba test wana mingi misusupe autre fois misusupe to passate mais au to passa yango isala peut-être que non les autres ba misala wana mais nous voulons pas garder ces choses là pour na biso moko nous voulons partager ça avec nos futures générations
Donc voilà un peu, mais à part ça, et tant que bah, ingénieur, toujours travailler ensemble dans des différents projets, toujours collaborer. Na ba organisation mususu oyo bazo sala et ba jar ya ba biloko ndenge moko na biso awa na niveau ya UK ba organisation mususu za na niveau ya ba caribien na niveau ya afrique donc voilà toujours travailler na ba domaine ya énergie na ba domaine ya agriculture donc na ba domaine ya construction donc toujours travailler na ba domaine wana nyonso donc nous servons aussi comme plateforme ya consultation donc si vous avez un projet oyo senga different type of engineering. Vous êtes pour nous contacter, Bissot. On peut être toujours là pour vous assister avec vos projets. Et pour finir, Papa Jacques, pour chiter, nous avons profité dans ça appel. Nous avons jeune Jean Nyonso, ou nous avons peut-être dans le collège, ou nous avons des universités. Hein? Donc, pas hésiter, même ma papa ou ma collègue Bissot, vous en avez l'air, ou nous avons dans le collège, ou nous avons des universités, vous éviter l'ONI, vous avez contacté Bissot. Ceux qui sont déjà dans l'université, vous en avez maman, papa, même les qui au Colanda Bissot, vous êtes déjà dans l'université, contactez-nous, on peut toujours vous guider. Et par rapport à ma cambozo ça là, assessment, exam, revision, ma cambozo de quoi aider nous. Pour la bande de copains, vous êtes déjà ingénieur, vous êtes travaillé, vous contactez, vous hésitez à contacter Bissot, beaucoup dans la plateforme, tout ça, mitou na Bissot, génération consciente, tout ça, mitou na Bissot ensemble, tout travailler, on a. Et développement et la communauté Nabisso, et puis pourquoi pas Yamouka Nabisso. Donc voilà le peu que je peux dire. Et aussi, il y a un ingénieur qui peut retirer, un retraité, un ingénieur. Tout ça, il y a un conseil, une sagesse, pour nous dire, on peut prendre ça. Mais si on a échoué, nous, on peut apprendre de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc voilà, tout ça, il y a une catégorie, il y a une plateforme Nabisso. Tous en a différents genres, même chez Pouana, pour les étudiants, pour les autres, celui-ci, qui est toujours ça là, et puis pour les retraités. Donc, tout en a pour ça, tout formé corps, il y a ingénierie, il y a ma casse, il y a ma congolais, la casse en boca, il y a UK, et pourquoi pas, ben, de connaître, ben, qu'on a dit, sur l'Ibanda, UK, tous à la peine, ben, branche partout, pour qu'on ait sa vision, on a parce que mon cannabis, ils en a besoin, il y a ben, ingénieur, ils en a besoin, il y a bateau, ben, tangi, science, bateau, ben, tangi, technologie, pour qu'on développer mon cannabis. Et puis, donc, voilà le peu que je pourrais peut-être conclure pour ce soir. Et samedi, vraiment, n'hésitez pas, nous attendons à bras ouverts. Merci beaucoup, Papa Jacques. Oh, c'est moi qui vous remercie. Merci à l'ingénieur Mbo Kassai. Merci à l'ingénieur Gilles Massamba. Vous avez été brillant ce soir avec toutes ces explications sur la gestion, le management du gaz dans nos maisons, et puis avec cette grande opportunité, c'est pour autant dire à vous tous qui nous suivez que c'est très important de vous abonner sur notre chaîne YouTube, nous suivre sur Facebook, et puis partager nos émissions, puisque nous sommes là pour aider, pour promouvoir, puisque vous savez que nous tous, nous aimons l'agréable, mais ce que nous produisons, ce que nous vous proposons, c'est ce qui est utile pour notre avenir, pour l'avenir de nos familles, pour l'avenir de nos enfants. Vraiment, je vous remercie, vous tous qui avez été branchés sur notre chaîne, vous tous qui avez suivi, vous tous qui allez partager, et surtout vous tous qui serez... Je serai la tête, yes, jamais la queue. Africa French speaking, community. Et ça a été battu tout la carte à Birmingham. Oh, il y a Papa Jacques. Et ça a été battu tout la carte à Birmingham. Et ça a un problème à Benefic. Et ça a un problème à Ndam. Et ça a un problème à Mukanda. Africa, French speaking community. Et ça a été plus long à ma palais. Et ça a été plus long à Kamuyanini et à Benefic. Et ça a été plus long à Kamabilo Wandar. Et ça a été plus long à Kamuyan, surtout il y a Mikanda, d'infraction au Bimba. Il y a beaucoup de gens qui sont en Afrique, en French speaking community. Il y a Papa Jacques, en Birmingham. Il y a Facebook, na Bango, UKSA TV. Il y a Facebook, na Bango, il y a Bokotikuna, Bokota, Bokotuna, Bokobengi, Sayopi, na Biro, Bokosololi, Bokosali, la solution, nous sommes tous les gens qui sont en administration est beaucoup. La Birmingham. La dernière, adieu.